Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, veuillez consulter votre médecin avant de commencer ce régime de yoga. Nos enfants habitent un monde où les parents sont pressés. Il y a le stress de l'école, les sports de concurrence, les jeux vidéo, la télévision et la pression des pères. Tous ces facteurs ont un effet sur la vie de nos enfants et sur leur stress mental. Les études ont montré que les enfants ont de plus en plus tendance vers la déprime et les problèmes liés au stress. Ces facteurs peuvent aussi avoir un effet adverse sur le cerveau de votre enfant, résultant dans le déficit d'attention, la fatigue mentale et physique. Le yoga, un mode de vie complet. Il nous montre le chemin pour assurer un développement équilibré des facultés mentales de nos enfants et leur apporte la paix d'esprit. Allons voir ce que suggère le yoga là-dessus. Commençons dès aujourd'hui. Yoga Mudra. Installez-vous à la posture du lotus avec le dos droit et les yeux fermés. Concentrez votre esprit sur votre respiration. Respirez lentement et profondément. Penchez-vous lentement en exhalant. Et essayez de toucher votre tête au sol. Retenez cette position aussi longtemps que possible. Inspirez lentement et levez-vous. Exhalez et répétez la démarche. Sarvangasana.
Allongez-vous sur le dos, gardez vos mains à côté de vous par terre, les paumes vers le bas. Levez les jambes en inspirant et gardez-les en l'air. Soulevez votre torse en utilisant les mains sur le dos pour le support. Allongez vos jambes droites dans l'air, aussi droites que possible. Essayez de rester aussi droit que possible. Le but, c'est de mettre votre poids sur les épaules avec les mains qui donnent le support au dos. Descendez votre torse lentement vers le sol en exhalant l'air. Le Sarvangasana augmente la circulation du sang au cerveau et au cœur. En plus, il fortifie les épaules, le dos, les articulations des coudes, des bras et du cou. Essayez de rester aussi droit que possible. Chakrasana. Allongez-vous par terre sur le dos. Pliez vos jambes et placez les pieds par terre, près des fesses. Placez vos mains plates par terre, juste au-dessus des épaules. Soulevez votre corps sur les paumes et les pieds pour former un cercle. Retenez cette posture. Ardha Matsyendrasana.
Asseyez-vous les jambes allongées, les pieds ensemble. Pliez votre jambe gauche et mettez-la sous la jambe droite. Levez et pliez votre jambe droite pour placer le pied droit entrelacé au pied gauche. Tenez l'orteil du pied droit avec la main gauche en gardant éloigné le coude de la jambe droite. Pliez votre main droite derrière le dos et respirez normalement. Asseyez-vous dans cette position aussi longtemps que possible. Asseyez-vous encore, les jambes allongées devant vous. Gardez les pieds ensemble. Pliez la jambe droite et placez-la sous la jambe gauche. Levez maintenant la jambe gauche et entrelacez le pied gauche avec le pied droit. Tenez l'orteil du pied gauche avec la main droite. Gardant le coude éloigné de la jambe gauche, pliez votre main droite derrière le dos. Et respirez normalement. Maintenez cette posture aussi longtemps que possible. Surya Namaskar. Mettez-vous debout les pieds ensemble, fermez les yeux et relaxez l'esprit. Levez vos bras droits au-dessus de la tête et penchez le torse vers l'arrière. Penchez-vous en avant, tenez les mollets avec les mains. Et essayez de toucher le nez au genou. Placez maintenant les paumes de vos mains plates à terre à côté des pieds en pliant la jambe gauche. Allongez votre pied droit derrière vous. Tirez votre torse vers l'arrière. Placez votre paume par terre et menez la jambe gauche en arrière. Touchez votre nez au sol. Allongez et penchez votre torse vers l'avant. Et placez votre menton par terre entre vos mains. Gardez les coudes plats à terre. Maintenant, bougez votre corps vers l'avant en vous levant. En plaçant votre poids sur les mains. Penchez votre torse vers l'arrière. Ensuite, soulevez votre corps sur vos mains et vos pieds et pliez votre corps vers l'intérieur.
sortez votre jambe droite vers l'avant, tirez votre corps vers l'arrière, gardant le poids du corps sur la jambe droite. Mettez ensemble les pieds, penchez-vous vers l'avant, tenez les mollets avec les mains, essayez de toucher le nez au genou. Levez maintenant le bras droit au-dessus de la tête et penchez votre torse vers l'arrière. Retournez à la première position. Nadi Sodhan Pranayama. Asseyez-vous par terre les jambes croisées. Fermez les yeux et levez votre main droite et placez votre coude droit sur la paume de votre main gauche. Fermez votre narine gauche avec le deuxième et troisième doigt de votre main droite. Retenez votre souffle et fermez maintenant la narine droite avec le pouce et retenez votre souffle tant que vous pouvez. Exhalez par la narine gauche et retenez-vous. Maintenant, respirez par la narine gauche. Fermez les deux narines et retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Ouvrez la narine droite et relâchez votre souffle. Répétez cette démarche pendant 5 minutes. Le Nadi Shodhan Pranayama constitue la partie la plus vitale et intégrale de tout régime de yoga, comme il calme l'esprit et purifie le système et vous apporte la santé et la vigueur tout en réglant la force vitale dans votre corps. Brahmi Pranayama. Assis dans la posture du lotus, fermez les deux oreilles avec les pouces et couvrez vos yeux avec les doigts. Prenez des respirations lentes et profondes en faisant un bruit bourdonnant. Bourdonnez comme une abeille pendant longtemps. Allongez votre souffle avec ce bourdonnement. Ce pranayama est excellent pour réduire le stress, pour augmenter la mémoire et votre ouïe. Méditez pour quelques minutes après ce pranayama parce que cela vous aidera à mieux vous concentrer et à dégager l'esprit. Vous pourrez sentir détendre votre corps entier.
sentez chaque partie du corps se vider de la tension et l'esprit qui devient tout calme. Bhastrika Pranayama. Asseyez-vous dans la posture du lotus et fermez les yeux et respirez rapidement et profondément. Inspirez avec force et expulsez l'air également avec force. Continuez ainsi pour tant que vous pouvez. Bhastrika Pranayama est très efficace pour le nettoyage du système respiratoire. Il aide aussi à dégager votre esprit en vous remplissant d'énergie et de vigueur. Il améliore aussi la mémoire. Prenez une longue respiration et retenez-la et appuyez votre menton sur la gorge. Restez ainsi pour tant que vous pouvez. Relâchez et retournez à la posture du lotus. La méditation. Installez-vous dans la posture du lotus avec le dos droit. Gardez les bras droits, les mains sur les genoux avec les paumes vers le haut. Joignez les pointes de vos premiers doigts avec le pouce. Respirez normalement et concentrez-vous sur votre être interne. Concentrez-vous sur un point au milieu de votre front. La méditation libère votre esprit du bric-à-brac, vous rend dans un état d'esprit positif et augmente la force vitale en vous. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez sentir détendre votre corps entier. Sentez chaque partie du corps se débarrasser des tensions et sentez se vider totalement votre esprit. Petit à petit, vous vous sentirez comme si vous flottiez dans l'air. La méditation est la manière la plus efficace de valoriser votre être et de rajeunir l'esprit et le corps. La méditation aide à augmenter la mémoire, vous aide à mieux vous concentrer et vous rend plein d'énergie. Elle vous aide aussi à garder calme votre esprit et est aussi bénéfique pour la santé mentale. Continuez pendant 10 minutes. Yoga Mudra. Il vous remplit d'énergie et de vigueur, il garde votre système digestif sain, il aide également à améliorer la mémoire. Répétez cet asana 5 fois. Sarvangasana augmente la circulation du sang vers le cœur et vers le cerveau, à part d'affermir les épaules, le dos, les articulations des coudes, des bras et du cou. Faites cet asana 2 fois. Chakrasana. Augmente la circulation du sang vers le cerveau et apporte une allure brillante au visage. Il aide aussi à augmenter la capacité de la mémoire. Répétez cet asana 5 fois. Artha Matsyendrasana aide à réduire l'excès du poids autour de la taille et affermir les muscles abdominaux. Il a beaucoup d'autres avantages. Répétez cet asana 5 fois. Surya Namaskar. Augmente votre résistance et apporte une belle allure à la peau. Il vous aide à dégager l'esprit, vous remplit d'énergie et de vigueur. Il aide également à améliorer la mémoire, à maigrir et offre beaucoup d'autres avantages. Pratiquez cet asana 4 fois. Nadishodhana Pranayama. Le pranayama constitue la partie la plus intégrale de tout régime de yoga, comme il calme l'esprit, et la respiration profonde purifie le système, vous apportant la santé et la vigueur tout en réglant la force vitale dans votre corps. Répétez ce pranayama 20 fois. Brahmari Pranayama. Ce pranayama est excellent pour la réduction du stress, pour améliorer la mémoire et pour améliorer également l'ouïe. Pratiquez cette pranayama pendant 5 minutes.
Bhastrika Pranayama vous aide pour la décongestion des passages respiratoires. Il aide à dégager l'esprit et vous fait sentir plein d'énergie et de vie. Il aide aussi à augmenter la mémoire. Pratiquez ce pranayama pendant 2 minutes. La méditation aide à mieux se concentrer et recharge les batteries du corps. Aide aussi à garder votre esprit tranquille. Il est très bon pour la santé mentale. Pratiquez la méditation pendant 10 minutes. Yoga Mudra, Surya Namaskar, Méditation, Chakrasana, Brahmari Pranayama, Sarvangasana, Bhastrika Pranayama, Artha Matsyendrasana, Nadi Shodhan Pranayama. La gestion nutritionnelle pour améliorer la mémoire. L'alimentation et la nutrition veulent dire beaucoup plus que la simple provision d'aliments pour le développement des enfants. De nombreux facteurs influencent les habitudes alimentaires chez les enfants. Il est bien connu que ces habitudes se forment tôt dans l'enfance et continuent pendant la vie adulte. Une bonne alimentation et un régime équilibré sont non seulement les secrets à la bonne santé des enfants, mais aussi le combustible pour l'apprentissage optimal. Un régime équilibré doit inclure les aliments de tous les groupes comme les céréales, les lentilles, les fruits et légumes, le lait et les laitages, la viande et les œufs, tous dans la bonne proportion. Normalement, les parents donnent l'importance au régime seulement quand l'enfant ne grandit pas bien ou lorsqu'il est malade. Cette notion est incorrecte, comme un enfant a besoin d'une alimentation toute sa vie. Les petits repas fréquents sont une très bonne source d'énergie et font agir les cellules du cerveau. Par contre, 2-3 grands repas vont le rendre inactif et somnolent. Le petit déjeuner est un repas important pour les enfants. Cela améliore sa performance écolière et le petit déjeuner est nécessaire pour le bon fonctionnement de la mémoire. Un bon petit déjeuner va inclure une céréale de grains entier avec du lait et un fruit. Les fruits ont un effet positif sur le cerveau comme ils contiennent des sucres simples. Les fruits agissent comme le combustible par excellence pour le cerveau. Les sucres simples constituent l'alimentation principale pour le cerveau. Ils stimulent les cellules du cerveau et ainsi, le processus de la pensée devient plus rapide, aussi bien que le rappel des informations. Les fruits congelés peuvent être un bon substitut aux glaces et sont beaucoup plus sains. Les carottes sont aussi un bon aliment pour le cerveau car elles sont riches en vitamines. Il y a certains aliments qui peuvent agir comme des blocs cerveau si on les consomme en excès, par exemple les farines raffinées et les fromages, qui prennent plus de temps à digérer et détournent ainsi la circulation du sang vers le système digestif, résultant en moins de ravitaillement pour le cerveau. Le sucre blanc raffiné agit également comme un bloc cerveau. La viande et les aliments riches en amidon sont aussi lourds à digérer et directionne l'écoulement du sang vers le ventre, ce qui cause un retard de provision pour le cerveau et cela empêche le fonctionnement rapide du cerveau. Ces aliments sont surtout à éviter pendant les examens. Le yaourt est riche en protéines et en calcium. Il fait un casse-croûte délicieux tout en étant très bon pour leur développement. Les amandes sont aussi très efficaces pour augmenter la faculté de la mémoire. Les pommes sont aussi connues pour faire augmenter la mémoire et la concentration des enfants. Il faut mettre une emphase globale sur un régime bien équilibré pour un bon développement et une bonne croissance de l'enfant et pour la bonne mémoire. Les parents jouent un rôle vital dans l'environnement de la maison familiale pour le développement total des enfants. Alors faites le bon choix et donnez vous-même l'exemple parfait à vos enfants, non seulement en les initiant au yoga, mais aussi en le pratiquant vous-même. Encouragez vos enfants à pratiquer le yoga régulièrement et vous verrez la différence merveilleuse que cela va apporter à leur bien-être physique, mental et émotionnel. Oh,
La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, veuillez consulter votre médecin avant de commencer ce régime de yoga. Nos enfants habituellement avec le dos droit et les yeux fermés. Concentrez votre esprit sur votre respiration. Respirez lentement et profondément. Penchez-vous lentement en exhalant et essayez de toucher votre tête au sol. Retenez cette position aussi longtemps que possible. Inspirez lentement et levez-vous. Exhalez et répétez la démarche. Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos, gardez vos mains à côté de vous par terre, les paumes vers le bas. Levez les jambes en inspirant et gardez-les en l'air. Soulevez votre torse en utilisant les mains sur le dos pour le support. Allongez vos jambes droites dans l'air, aussi droites que possible. Essayez de rester aussi droit que possible. Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller.
où les parents sont pressés. Il y a le stress de l'école, les sports de concurrence, les jeux vidéo, la télévision et la pression des pères. Tous ces facteurs ont un effet sur la vie de nos enfants et sur leur stress mental. Les études ont montré que les enfants ont de plus en plus tendance vers la déprime et les problèmes liés au stress. Ces facteurs peuvent aussi avoir un effet adverse sur le cerveau de votre enfant, résultant dans le déficit d'attention, la fatigue mentale et physique. Le yoga, un mode de vie complet. Il nous montre le chemin pour assurer un développement équilibré des facultés mentales de nos enfants et leur apporte la paix d'esprit. Allons voir ce que suggère le yoga là-dessus. Commençons dès aujourd'hui. Yoga Mudra. Installez-vous à la posture du lotus.